Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de très bons moments à la maison. J'en suis sûre que vous travaillez très très bien, je reçois toujours votre travail, je suis vraiment très fière de vous. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je vais vous dire que vous manquez vraiment très 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 fort et on va se retrouver bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous, travaillez très bien à la maison, écoutez papa et maman et n'oubliez pas les règles d'hygiène. Alors, on commence. Alors, pour commencer, on va faire aujourd'hui le rituel. On commence. On a l'habitude de faire le rituel en classe, mais malheureusement, c'est pas grave pour l'instant, pour des raisons de sécurité. On va faire le rituel chez nous, à la maison, et bien sûr, à l'aide de papa et maman, on va leur montrer ce qu'on a appris à l'école. On commence. Alors, qui peut me dire quel jour sommes-nous? Alors les enfants, je vais vous aider, je vais vous donner un indice. Hier, c'était le dimanche. Hier, c'était le dimanche. C'est le dernier jour de la semaine. Alors, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle semaine. Alors, la nouvelle semaine commence par quoi? Regardez là. Le jour est rouge. Ça vous rappelle quoi, les enfants? Bravo, c'est lundi. Aujourd'hui, nous sommes le lundi. Alors, regardez. Il est de quelle couleur lundi? Bravo les grands, c'est rouge. Lundi, ça bouge. Monsieur Clown met son chapeau rouge. Lundi, ça bouge. Monsieur Clown met son chapeau rouge. Bravo. Alors, regardez très très bien les lettres du mot lundi. Ça commence par quelle lettre? Lundi commence par quel son? L. Lundi. Bravo les grands. C'est la lettre L. Bravo. La lettre L comme quoi? Lune. Bravo. Quoi d'autre? Essayez de trouver quelque chose à la maison qui commence par la lettre L. Cherchez bien partout à la maison. Je vous attends. Louche, bravo, la louche, bravo les enfants. Quoi d'autre? Lumière, super les enfants, vous êtes magnifiques. Alors, on passe à l'autre lettre. Regardez très bien. C'est un pont à l'envers. C'est comme un pont à l'envers. C'est la lettre U. Rappelez-vous les enfants de qu'un mot qui commence par la lettre U. Unique. Bravo. Alors, passons à l'autre lettre. Regardez bien. C'est la lettre N. Bravo les champions. Vous êtes magnifiques. La lettre N comme nuit. Bravo. Nuage. Super. Allez, et l'autre, avant la dernière lettre, c'est la lettre D comme. Mais bravo, vous vous rappelez très bien comme devant, comme derrière, comme dos, mais super comme dans. Bravo les grands. Et vers la fin, toujours, c'est la lettre E. I comme Ilyès, comme Ismaël. Bravo les enfants, bravo, comme Iglo. On va le mettre ici et on va chercher ensemble le chiffre. On va chercher le chiffre. Alors, hier c'était dimanche. Hier c'était dimanche 17. 17. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi après 17. 18. Bravo. Alors on va compter ensemble jusqu'à qu'on arrive au chiffre 18. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18. Le voilà. 18. 1 et 8, ça se lit 18. On va le mettre ici. Alors les enfants, après le chiffre, on a toujours le mois de mai. Le mois de mai. Regardez. Ça. Qui peut m'épeler le mois de mai? M A I. Mai. Bravo. On va le mettre ici. Et l'année, c'est 2020. 2020. Bravo. Alors les petits loups, maintenant à vos papiers pour écrire la date. J'en suis sûre que vous arrivez à écrire la date d'aujourd'hui parce qu'on a l'habitude de faire ça en classe. Alors, on va écrire lundi. Ça commence par la lettre L. Comment ça s'écrit la lettre L, les grands? Bravo! Une ligne verticale qui donne la main à une ligne horizontale. Bravo! Après, c'est la lettre U. Un pan à l'envers. Bravo! Après, c'est la lettre N. Bravo! Une ligne verticale. Une autre ligne oblique et une ligne verticale. C'est la lettre N. Après la lettre N, c'est la lettre D. Ça s'écrit comment la lettre D? Une ligne verticale et un grand ventre. Bravo! Et un grand ventre. Vers la fin, on a la lettre I. C'est la lettre I. Bravo. Lundi. On va changer la couleur, pardon, pour faire le chiffre. Tout le monde sait écrire le chiffre 1, une ligne verticale et une petite ligne oblique. Et le 8, c'est comme un S. Serpent, comme ça. Et on remonte. Le mois, nous sommes le mois de mai. Ça commence par M, bravo. Une ligne verticale. Une autre ligne oblique. Une deuxième ligne oblique. Et une ligne verticale. Après, c'est le A. Une ligne oblique, deuxième ligne oblique et une petite ligne horizontale. Et la lettre I vers la fin, une ligne verticale. On va écrire 2020. 2, 0, 2 et 0. 2020. 2000. Alors les grands, maintenant on passe à la météo. Allez tous vers votre fenêtre et dites-moi quel temps fait-il aujourd'hui. Pour moi, j'ai le soleil et des nuages. J'ai du soleil et des nuages. Alors, on va faire comme ça. Soleil et nuage. Bravo les grands, je suis vraiment fière de vous. Passons maintenant à l'histoire d'aujourd'hui. C'est la petite poule rousse. À tout à l'heure.